Bonjour mes guerrières, bonjour mes amours. J'espère que vous respectez le confinement. Ça, je vous assure, vous voyez combien de morts il se passe dans le monde entier. Nous devons vraiment rester à la maison pour nous aider, pour sauver des vies, pour aider ces médecins qui sont en train de basculer, de se faire tuer même pour essayer de sauver les vies. C'est-à-dire quand je vois dans les médias ceux qui sont en train de passer le temps à sortir, s'amuser, qui ne prennent pas le confinement au sérieux, ça me cœur vraiment, ça me fait vraiment mal. Je vous dis courage à tous ceux qui respectent le confinement et ne souhaitons pas que ça nous arrive parce que cette histoire-ci, ça a commencé comme un jeu de la Chine et voilà, c'est en train d'envahir tout le monde entier. Et franchement, c'est douloureux pour toutes ces familles qui sont en train de, pour toutes ces personnes qui perdent leur famille et tout ça. Et c'est tous ces morts, franchement, ça fait vraiment, vraiment mal. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui a perdu quelqu'un de très cher dans votre vie ou quelqu'un encore très proche, je ne sais pas, vous ne pouvez pas sentir cette douleur-là et non loin de ça, même voir autant de morts qui sont en train de se passer avec cette histoire de COVID-19, c'est douloureux. C'est vraiment douloureux. On a l'impression que c'est la fin du monde. Moi, précisément, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. J'ai l'impression que c'est une troisième guerre mondiale. Alors, je vous prie, mes guerriers, mes guerrières, mes amours, respectez le confinement, restez à la maison pour que nous soyons protégés, pour sauver des vies. Donc, passer à cela, revenons à la positivité, nous allons toujours rester positifs pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, je vous apporte un rituel pour attirer la beauté physique, intérieure, pour que tout le monde soit à nos pieds pour avoir le travail, l'amour, tout ce que nous désirons dans notre vie face à l'autre. J'espère que vous avez compris ce que je dis là. La beauté physique et intérieure. Mais chez moi, ce qui compte plus, c'est la beauté intérieure. La beauté physique vient en second plan. Oui. Donc, notre rituel serait fait avec le fruit défendu, le fruit, comme vous savez, le fruit de la tentation divine. Vous pouvez déjà imaginez de quoi il s'agit, la pomme, oui, la pomme. Peu importe quelle couleur de pomme, prenez que ce soit la pomme rouge, la verte, n'importe quelle couleur de pomme. Ici, je n'exige pas la couleur de pomme, d'accord? N'importe quelle couleur de pomme, vous pouvez faire ce rituel avec. Oui, mes amours, ici, je n'exige vraiment pas la couleur de la pomme pour ce rituel. Donc, nous allons prendre un verre comme ceci, auquel vous allez venir attacher sur votre verre, bien sûr, un verre neutre, comme la mienne, vous voyez. Vous allez attacher un nœud, un ruban rouge, comme vous avez vu là, un ruban rouge. D'accord, vous allez attacher un ruban rouge tout autour. Et là, dans votre verre, vous allez venir ajouter de l'eau, que ce soit de l'eau du robinet, si vous avez de l'eau bénie, parfait. Si vous avez de l'eau du parrainage, parfait. Si vous n'avez pas, ajoutez tout simplement de l'eau de robinet. C'est suffisant, c'est parfait. Notre fruit, notre pomme, comme j'ai dit tantôt, notre pomme fruit défendu pour attirer la beauté infinie, la beauté pour toujours, être toujours jeune,
pour attirer la personne qui nous plaît, que nous voulons toujours, qu'il soit toujours à côté de nous, que nous voulons toujours sentir à côté de nous, dans notre peau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire quoi. Notre fruit de la tentation, vous savez bien pourquoi je l'appelle fruit de la tentation divine. C'est le fruit auquel le Seigneur a demandé à ne pas manger. Mais elle a été mangée, je ne vais pas entrer là, vous connaissez vous-même l'histoire de la Bible. Donc, on ne va pas entrer là, d'accord? Donc, il va nous falloir ce fruit de la tentation divine là. Nous aurons besoin du pouvoir du sucre. Donc, j'ai là le sucre, le pouvoir du sucre et le pouvoir du sel. J'ai là le pouvoir du sucre, le pouvoir du sel, d'accord? L'eau, comme je vous ai dit, c'est là, mon eau, mon demi-verre d'eau, il est là, d'accord? Et nous aurons besoin du cuidant, donc un cuidant, c'est là. Prendre votre pomme, votre fruit défendu. Je vais vous montrer de cette manière. Il y a la tête et puis il y a le bas. Vous allez prendre ce côté-ci, le côté de la tête. Vous allez venir écrire votre nom de manière circulaire de ce côté-ci. D'accord? Vous allez écrire votre nom de forme circulaire par là avec du cure-dent. C'est pour ça que j'ai demandé les cure-dents. Vous allez essayer d'écrire votre nom. Si vous ne parvenez pas avec les cure-dents, vous pouvez prendre un bic rouge, comme ceci, d'accord? Donc, du cure-dent ou du bic rouge, vous essayez à écrire. Donc là, je vais écrire Belle. Belle. Claire. Vous écrivez, bien sûr, votre nom complet, d'accord? Tout autour de la pomme. Si vous pouvez rajouter votre date de naissance. Voilà, c'est écrit, ça ne s'apprécie pas bien, mais c'est écrit. Vous allez venir prendre 9 pincées avec votre main. 9 pincées de votre sucre. Comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pincées de votre sel, de votre sucre que vous allez mettre dans votre eau, d'accord? Pour attirer la beauté, la douceur dans notre vie. Ensuite, vous allez prendre pareil 9 pincées de sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pincées de sel que vous allez mettre aussi dans votre eau qui représente la pureté, la pureté bien sûr, et éloigne tout ce qui est négatif, la négativité et tout ça. Et aussi, ça va conserver la beauté de notre physique et la beauté interne. D'accord? Vous allez mettre ça dans le verre comme ceci. Ensuite, vous allez venir prendre votre pomme que vous avez écrit votre nom. D'accord? Votre nom, vous allez venir la prendre comme ceci. Le nom du haut. Donc voilà, je vous ai dit, les fessiers c'est là, la tête c'est là. Vous allez prendre ça avec votre paume, avec votre deux mains. Je sais pas si vous appréciez, comme ceci, d'accord? Vous allez venir poser sur votre paume comme ceci, en disant, en répétant ceci. Vous faites ceci comme ceci en levant la paume et en le mettant dans l'eau en même temps, d'accord? Par le pouvoir
de ma beauté captive. Je répète, ça c'est la première incantation que vous allez dire, la première phrase que vous allez dire. Je répète, vous allez dire ceci, par le pouvoir, en faisant le même geste que je fais là, par le pouvoir de l'univers et le pouvoir magique de du fruit de la guérison et de la tentation, je désire la beauté unique et extraordinaire, et que toute personne qui me voit soit rendue à mes pieds, par le pouvoir de ma beauté captive. 2. Vous allez venir dire, par le pouvoir de l'univers et le pouvoir magique de du fruit de la guérison et de la tentation, je désire que tout le monde soit rendu à mes pieds, par ma beauté captive et adorable. Vous faites ça toujours en levant votre paume comme ceci. Et en troisième position maintenant, vous allez dire ceci. Le pouvoir de la paume captive extrême, du fruit de la tentation divine. Vous le dites comme ceci et vous dites, je me sens belle, je me sens extraordinaire, je me sens captivador, je me sens magique. Vous faites comme ceci. Vous levez votre verre en levant votre paume comme cela. Et puis vous allez laisser votre paume là pendant au moins 10 heures de temps. Votre paume va recevoir toutes les énergies de l'eau que nous avons mis là, qui était le pouvoir du sel, du sucre, d'accord, le pouvoir du sel, du sucre, et tout ça, votre paume va recevoir toute cette beauté-là. Votre bougie rose ou votre bougie rouge à côté, vous allez laisser comme ça pendant les 10 heures de temps que je demande, d'accord? Alors, bien sûr, on ne va pas être seulement belle et captive, avoir la beauté interne et externe que d'autres personnes qui ont des difficultés de mariage. Enfin, il est disponible le savon. Oui, le savon pour le mariage. Vous qui avez des difficultés pour avoir le mariage, pour obtenir le mariage. Donc, telle vient et puis il part, femme comme homme, hein, ou elle vient vous proposer le mariage et puis après ça casse, etc. Donc, enfin, chez Belle, vous avez le savon disponible pour le mariage, pour obtenir le mariage, les hommes comme les femmes. Et vous aussi, les femmes et les hommes qui êtes déjà mariés et que dans votre foyer, vous avez des problèmes, vous avez des mésententes, il n'y a pas cette fusion, cette connexion-là que vous avez besoin dans le mariage, cette tranquillité-là, ce même savon aussi va vous aider. Donc, déjà disponible chez Belle au plus 34 602 387 807. Ça, c'est mon seul et unique téléphone. Je dis bien ça, c'est mon seul unique téléphone. Plus 34 602 387 807. Et merci bien de ne pas prendre les téléphones dans les commentaires parce que là, c'est du fake. Tous les numéros qui vont dans les commentaires, c'est du fake. D'accord? Et veuillez ne plus laisser vos numéros également dans les commentaires parce que ces gens-là prennent vos numéros dans les commentaires pour venir vous arnaquer. Et aussi, j'ai remarqué qu'ils ont commencé déjà à prendre aussi les mailles. D'accord? Ils prennent déjà les mailles aussi. Ils ont pris mon maille pour dire que je n'utilise plus ce maille-là, c'est mon ancien maille, et pour arnaquer quelqu'un d'autre. Donc, soyez vraiment prudent, comme je dis là. Je ne travaille avec personne, je dis bien personne.
D'accord, mes amours. Donc, vos savons sont disponibles. Bien sûr, également vos parfums d'attirance, vos parfums d'attirance, vos huiles de protection, il est toujours disponible. Je veux dire en général, votre pack Chance Mon Étoile Brille est toujours disponible. Donc, après la pandémie que nous vivons en ce moment, vous pouvez continuer à commander vos produits, d'accord? Et ceux qui ont commandé les produits avant que l'histoire du corona ne commence, ne vous inquiétez pas, ça serait fait. Et ceux qui ont commandé et que c'était déjà en chemin, ne vous dérangez pas, comme je vous ai fait savoir, vous pouvez vérifier sur Internet le chemin par numéro de votre colis, vous verrez là où au niveau où votre colis est. Donc, il n'y a pas de souci à ça. Et même s'il y avait un autre, même s'il y a un souci, je vous enverrai un autre colis après que ce problème que nous sommes en train de vivre en ce moment, nous traversons ce problème, je vous ferai d'autres colis. Il n'y a pas de souci à ça. D'accord? Alors, bien. Quand les 10 heures sont passées avec notre rituel, ça c'était les savons pour ceux qui ont des difficultés pour le mariage. Donc je reviens donc sur notre rituel. Les 10 heures passées avec notre rituel, d'accord? Les 10 heures après passées, vous allez tout simplement venir prendre votre pomme, d'accord? Et puis la manger. Donc cette pomme-là, vous allez la manger simplement. Vous allez manger cette pomme-là. Et puis, cette eau-là, vous allez bien tourner après votre bain. Quand vous allez terminer de vous laver avec votre savon, vous allez vous rincer bien, 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 bien. Et cette eau-là, ça, vous allez vous rincer le corps avec. D'accord, mes amours? Voilà, votre rituel, c'est vous. Ton rituel, c'est toi. Faites-le avec amour, avec passion, avec beaucoup, beaucoup de foi. Il faut y croire. Bonne chance à tous. À très bientôt. Belle.